Monsieur le Président, en infrastructure, ce sont Québec et les municipalités qui ramassent la facture, alors que la marge de manœuvre financière est à Ottawa. Les grandes villes québécoises réclament depuis longtemps que le fédéral fasse sa juste part en dépenses d'infrastructure. Aujourd'hui, le premier ministre leur a présenté le menu, mais on leur a encore une fois servi des assiettes vides, Monsieur le Président. Sachant qu'au Québec, et particulièrement dans l'Est de Montréal, les besoins en matière d'infrastructure sont criants, est-ce que le gouvernement s'engage à prendre en charge 50 % des dépenses totales? L'honorable ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je peux assurer mon collègue qu'on travaille très fort pour la question des infrastructures au Québec. En fait, mon collègue, le ministre des Infrastructures et des Collectivités, a rencontré le premier ministre du Québec. On a annoncé durant l'élection qu'on investirait de façon majeure dans les infrastructures à travers le Canada pour les 10 prochaines années. Nous avons pris cet engagement. On sait que ça va stimuler l'économie. On sait que c'est bon pour le Québec, c'est bon pour le Canada, et on va garder notre promesse. Merci.